La marqueterie, c'est réaliser des décors en bois ou autres matériaux comme la paille, la nacre, la pierre. La marqueterie servait plus avant à décorer les meubles. Comme on est chez Cartier, là on va décorer un cadre en montre, ce qui est beaucoup beaucoup plus petit, donc on a tout miniaturisé la technique pour arriver à un niveau d'excellence. On a un fournisseur de paille qui nous livre soit de la paille naturelle ou teintée. Ils ont environ une soixantaine de couleurs. Cette paille, on va juste l'ouvrir et l'aplanir. Une fois qu'elle est aplanie, on va faire comme des palettes, comme un peintre. Et là-dessus, on va coller nos motifs à découper. Et une fois que le motif est découpé, on va procéder à un assemblage et à un nettoyage. Cette pièce, c'est une panthère en volume, donc une marqueterie d'or de 4 ors différents, plus de la marqueterie de paille avec incrustation d'or, de l'émaillage et de la peinture miniature. Il y a beaucoup de travail dessus, beaucoup de pièces. Les pièces sont très très petites et c'est un savoir-faire unique. On me demande de travailler à la perfection, ce que j'essaie de faire au mieux. Techniquement, je suis sorti de ma zone de confort. Beaucoup d'appréhension déjà, aucune habitude, donc vraiment trouver les outils, protéger mon or pour pas le rayer, pour pas le marquer. Beaucoup de reprises au début. Et par la suite, ça vient naturellement. C'est une montre qui fait très jeune. Il y a vraiment beaucoup de peps, beaucoup d'énergie. L'année dernière, j'étais sur un événement à Tokyo où je présentais la marqueterie de paille. J'étais en pleine démonstration. Et il y a une dame qui est venue me voir avec une montre que j'avais faite. Donc j'étais vraiment content de voir ça. Et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est magnifique.